Bon, bah, c'est parti pour la bocane de ce vent. Ça commence à s'installer. Il est 6h. Ah, c'est parti. On va essayer de voir s'il y a du jeu. Quoi? Dégueulasse. PES. Oh, dégueulasse. Ils sont dégueulasses. Vous préférez combien la Wii? La Wii U. 80. Bon. La Wii U. Oui, Wii U. La Wii est à 35. Oh, voilà. Ouais, c'est bien que tu tapes des choses, ça aussi. Normalement, tu l'avais. Chasse aux mousses. Et où le mec? C'est... Bonjour, c'est combien ça? Là, je fais 10. 10? Ok. Combien? Non, tu n'as rien pris. C'est pour vos choix. Mon frère. Oui. C'est 5 euros la pièce, hein? Non. Et si. 22 euros la pièce. Mais non, je t'ai cédé. C'est ton 2. 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 C'est ton 2.
C'est parti pour le compte rendu de Brocante. Donc c'est tout est mélangé, hein. Vous savez, vous commencez à avoir l'habitude avec moi, tout est mélangé dans ce bordel. Du coup, alors on va commencer par ce qui vous intéressera moins, mais ce qui m'intéresse. Alors ça sera sans doute mis sur la chaîne secondaire. Donc c'est des cassettes, c'est des VHS enregistrées. J'ai récupéré tout un lot de 3 cassettes enregistrées sans doute à la télé. Donc là vous voyez qu'il y a marqué dessin animé. Donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait des dessins animés assez rares, peut-être du Sailor Moon, du Ken, peut-être des émissions du Club Dorothée, ça serait intéressant. Il faut savoir que moi je récupère une chaîne secondaire où je récupère l'intégralité de ce qu'il y a sur la VHS et je la mets sur YouTube. Bon, encore c'est possible hein, parce qu'il y a des vidéos, ça passe pas des fois sur YouTube parce qu'il y a de la musique ou des trucs comme ça. Donc, je pourrais pas la mettre peut-être sur la chaîne principale. Si je peux la mettre sur la chaîne principale, je la mettrai. Mais si je peux pas la mettre, je la mettrai sur la chaîne secondaire qui est RDN Vidéo. Je crois que c'est RDN TV Vidéo, pardon. Donc là-dessus, vous voyez, c'est une VHS tout simple, hein, enregistrée à la télé. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être du Club Dorothée parce qu'il y a marqué des animés. Ou alors c'est peut-être du Disney, hein, une cassette pirate, je sais pas. J'ai récupéré aussi ça, alors là c'est bien parce qu'il y a tout écrit dessus. Alors donc j'ai récupéré celle-là parce que surtout il y avait marqué ça. Vous voyez, il y a marqué, je sais pas si on voit bien, il y a marqué École des fans. Donc l'École des fans est présentée par Jacques Martin et qui date de 22 octobre 95. Vous voyez, c'est écrit dessus là en bas. Donc très intéressant. Il y a un point d'interrogation marqué 30 minutes. Après, il y a marqué quoi ? Un siècle d'écrivain. Bon, après, ça m'intéresse un peu moins. Il y a un documentaire sur Hitchcock. Et bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Donc ça, je le mettrai sur la chaîne secondaire, ou si possible, sur la chaîne principale, si ça passe. Et dernière cassette que j'ai récupérée, alors j'ai pris ça, il y a du scotch là, sur le côté. Vous voyez que ça a été réenregistré, à mon avis. Vous voyez ? Il a dû être enregistré parce que... Il y a le petit truc là. Vous avez enlevé le truc pour pouvoir enregistrer par-dessus. Du coup, celle-là, j'ai récupéré parce qu'elle est marquée Champs-Élysées, l'émission présentée par Michel Drucker.
Et en bas, je crois qu'il y avait Fréquence Star, voilà, ça. Et Fréquence Star qui date de 17 janvier 93, c'est écrit dessus. Donc du coup, bah, VHS est présenté comme ça. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un message. Alors... Voilà, c'est un peu une écriture, faut savoir, on dirait, je crois que c'est un médecin qui a écrit ça. Hein. Parce que là, il faut déchiffrer. Hein. Mercredi 16h30, ma chérie, j'apprends par la rumeur télé que le prochain Champs-Élysées est consacré à Ray Ventura et Paul Misraki. Je vois pas le nom, vous voyez. Non. Si par hasard tu es chez toi, peux-tu me l'enregistrer? Merci d'avance. D'ailleurs, marqué je suis en plein dans ma valise. Défaite, gare de Lyon. C'est marqué ça. Hein. 20h56, il fait froid, il un temps abominable en Italie du Sud. Bah, je crois qu'il était à Gare de Lyon. Le mec, il a marqué Gare de Lyon, mais il est en Italie. Donc, bon, bizarre. Gros bisous, là, de Mar. Bon, enfin, bref, on s'en fiche. Du coup, cette cassette-là, je vais récupérer l'intégralité parce que j'ai un petit appareil. Mais faut que je retrouve, sinon je vais peut-être utiliser le SOS cassette vidéo. Vous savez, c'est un câble qui se relie de l'ordinateur jusqu'à le magnétoscope et avec une clé USB au milieu. Donc j'espère le retrouver ou sinon je le récupérerai sur internet pour pouvoir enregistrer le contenu de ces cassettes. Donc j'ai payé ce lot de 3 cassettes 2 euros. Dans un lot, il y avait plein de bordel, il y avait des livres, il y avait des DVD et dans ces DVD, bah, il y avait des jeux. Et qu'est-ce qu'il y avait comme jeu? On commence par un jeu PS3 que je n'avais pas, bien sûr, vous le savez. J'imagine bien que je ne vais pas prendre ça pour le plaisir. Parce que c'est un Skylanders Supercharge. Donc il est complet. Notice, CD. Oh, c'est bon CD, ouais. C'est le bon CD. C'est le numéro 2172 du Bless. C'est compatible, à mon avis, avec les trophées. Et bien sûr, français. Après, on va passer à de la Xbox et je vous garde le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin, et je vous dirai le prix, bien sûr. À la fin, yo. Je récupère le Baldur's Gate Alliance 2. Alors, j'ai commencé un petit peu parce que j'avais envie d'essayer. Curiosité. Il n'y a pas la notice. Il y a le CD. Il fonctionne en plus, j'ai testé. Parce que ça m'a donné envie. Regardez ça comme c'est beau. C'est un français. Vous forgez des armes et des armures magiques remarquables pour maximiser les dégâts que vous infligez au combat. Ça, j'espère pouvoir le faire en let's play parce que j'essaye. Je voulais le faire en let's play, mais je sais pas, la Xbox ça veut pas passer sur le truc. Ça fait chier parce que je voulais le faire en let's play. Bon, de toute façon, j'arriverai à trouver une méthode. Hein. Le troisième jeu et le deuxième, la version Xbox première génération, parce que je me fais une petite collection de jeux Xbox première génération, je récupère le Emergency, le State of Emergency. Donc je crois pas que je l'avais eu sur, si je dis pas de bêtises, sur PS2. Mais sur la Xbox, je ne l'avais pas. Donc du coup, bah, je le rentre. Il est complet avec CD et notice celui-ci. Et la boîte est en parfait état. Et voyez les images, comment c'est beau. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les trophées. La Xbox, ça n'existait pas à l'époque là. Et le dernier jeu que j'ai pris dans ce bordelique. Ah non, il y a aussi ça. Oui, attendez, j'ai oublié. Il y avait aussi ça qui traînait. Il y a. J'en avais rentré une il y a quelques temps de ça, il y a peut-être 5-6 mois. C'est une manette silver transparente. Je sais pas si on peut le dire ça comme ça. C'est une Xbox Control S. Vous voyez, c'est marqué dessus là. Hop, ça étiquette. C'est une Control S. En parfait état, regardez ça. Même pas de Johnny. Comme j'ai la console qui est juste là-bas, là, que je vais récupérer, par contre, il y a quelques années de ça, je vais récupérer une Xbox translucide. Et là, du coup, je récupère la manette translucide qui va avec. Malheureusement, bah, il n'y a pas l'embout. Vous voyez, il n'y a pas l'embout. Mais c'est pas grave. La manette est en parfait état. Je l'ai un peu nettoyée parce que les joysticks étaient vraiment blancs dégueulasses. On dirait qu'ils avaient moisi. Bon, j'ai réussi à la rattraper. Hein, franchement, c'est nickel. La silver, donc la Control S. Non, c'est pas silver, c'est translucide. Control S. La Xbox première génération. Et le dernier jeu que je récupère, et là c'est très très rare, c'est, je crois que c'est pas commun, c'est le jeu Siberia Collection. Donc Siberia Collection qui reprend Siberia 1 et 2. Donc celui-là, si je peux, hein, bien sûr, si le truc veut bien marcher, je le ferai en let's play sur la chaîne du Serial Gamer. Donc celui-là, il est bien sûr en français, il y a une notice le CD, et c'est le numéro 2028. Ça ouais, 2028. Quelques années quoi.
Donc j'ai récupéré ce lot pour, c'était 10 euros. C'était celui-là, il ne voulait pas baisser le prix, de toute façon c'était 5 euros, hein, celui-là. Celui-là, absolument, il ne voulait pas baisser le prix. En même temps, ça vaut le coup. Parce que sur Vinted, j'ai vu les trucs, ça vaut le coup. Sur un stand, il y avait plein de petits jeux Xbox 360, pas de la folie, hein, peut-être des Call of Duty, Assassin's Creed, bon, rien de fou. Mais je me suis dit, pourquoi pas prendre ce jeu. C'est le jeu Ben 10 Omniverse. Voilà, il est en anglais malheureusement, mais voyez, il n'y a pas d'indice. Mais pour la somme de 2 euros, ça reste raisonnable. J'avais envie de me le faire parce qu'on le voit très peu, hein, les Ben 10. Moi, j'en vois jamais quasiment dans les brocantes. Donc, je l'ai pris pour la somme de 2 euros. Donc, comme vous avez pu voir, c'est en anglais. Mais je suppose que le jeu doit être en français à l'intérieur. Sur un stand avec rempli de jeux qui ont popé d'un seul coup, du rétro gaming à gogo, il y avait plein de trucs. Il y avait un ratisseur qui essayait de négocier un gros lot de jeux PS2, mais il a se payé super cher, donc bien fait pour sa gueule. Si tu regardes la vidéo, je te salue pas. Mais du coup, il s'est fait avoir, il les a payés plein pot. Mais j'ai quand même réussi à extirper quelques jeux de ce lot, de ces trucs. Il y avait plein de ratisseurs partout, donc c'était difficile à... C'était la guerre, quoi, en gros. Donc, du coup, je récupère sur la PlayStation 1 un jeu que je n'avais jamais vu. C'est le Battle Station. Donc, si quelqu'un connaît ce jeu, voilà, il n'y a pas la notice, malheureusement. Voici comment ça se présente à l'arrière. Alors, c'est un jeu de baston, mais de bateau. On va aller savoir pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment un jeu de baston de bateau. Hein. C'est pas, je pensais qu'il y avait des missions, des trucs comme ça, mais non. Vous voyez, à l'image, je sais pas si on voit bien. Il y a une barre de vie pour chaque bateau. Je sais pas si on le voit bien, là, regardez, vous voyez, une barre de vie là, une barre de vie là. Il y a joueur 1, joueur 2. Et en gros, vous incarnez un bateau, et puis l'autre, ben, c'est un Street Fighter de bateau, quoi, en gros. Donc j'ai pas tout vu, mais on fera en let's play pour voir, ça va être marrant à faire. Donc je récupère ce Battle Station. Et avec ça, j'ai extirpé aussi deux jeux Super Nintendo qui sont le... Allez, on va commencer par celui-là. Le Rock'n'Roll Racing, donc je ne connais pas du tout, donc ça va être l'occasion de le faire en let's play pour ce jeu Rock'n'Roll Racing, donc avec des bons jeux, des bons sons dedans. J'ai vu, il y a de la bonne musique, donc ça devrait passer sur YouTube. Ça, les musiques, c'est pas des musiques officielles, c'est des musiques en 8 bits, je crois, donc ça devrait passer sur YouTube. Dernier jeu que je rentre dans ce lot, c'est le Mortal Kombat. Vous voyez, Ultimate Mortal Kombat 3, The Ultimate Fighting Game, avec un point d'exclamation. Donc ça, on fera en let's play, ce jeu-là. Donc j'ai payé ce lot, je suis très content de récupérer ça. Hein. Parce que là, j'ai réussi à extirper ça parmi tous les ratisseurs qu'il y avait autour. Bon, il y en avait deux qui étaient sympas. Hein. D'ailleurs, je les salue si ils regardent la vidéo. Deux qui ont été très cordiales, qui attendaient leur tour. Après, voilà, bon, parce qu'il y avait, un lot qui était en train de s'acheter. Et du coup, bah, chacun attendait son côté. On prenait, quand on fait des vide-greniers, il faut toujours prendre les jeux dans les mains. Hein, parce qu'après, ça part vite. Hein, parce qu'il y a des jeux qui avaient posé par terre et... Bon, c'est pas grave, de toute façon, je les avais déjà. Il y avait Need for Speed 2, il y avait Alien Trilogy, bon, je les avais déjà. Et il y avait le Tunnel B1 que j'avais déjà. Donc, c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est un ratisseur qui les a récupérés, j'ai vu. Hein. Je sais pas si on a pu voir les mains qui... Bon, enfin bref. Donc je récupère ces trois jeux pour la somme de... Au début c'était 15 euros, j'ai réussi à le négocier à 13. Ça m'a fait 2 euros d'économie, donc ça m'a permis d'acheter autre chose. Ça m'a permis d'acheter cassette. Hein. Donc voilà, j'ai récupéré ça pour la somme de 13 euros. C'est très bien. Pour la somme de 8 euros, je récupère un lot de deux jeux Nintendo 64. Je récupère le GT 64, un jeu de course de GT. Donc ça sera à faire aussi en let's play. Il y a beaucoup de jeux à faire en let's play, hein. Putain. Mais je vais les faire, hein. Je promets de faire tous les jeux en let's play. Donc celui-là, ce sera fait. Et avec ça, il y avait le Revolt. Je pense que tout le monde connaît le Revolt. Cette fois-ci, c'est sur Nintendo 64. Donc pareil, ça, on fera en let's play. Donc j'ai payé ces deux jeux 8 euros au lieu de 10. Donc ça reste plus que raisonnable. Pour la somme d'un euro symbolique, je récupère le Red Dead Redemption édition jeu de l'année. Pourquoi un euro? Parce que il n'y a pas de jeu dedans. Alors, il y a quelques temps, j'avais rentré le jeu, mais à l'intérieur, il n'y avait pas la carte et la notice.
Donc du coup, bah, c'est très bien parce que je récupère non seulement la boîte qui a l'autocollant, parce que le mien, je crois qu'il n'y avait pas l'autocollant, et en plus de ça, je récupère la petite notice et surtout le plan. Donc ça, c'est très bien parce qu'il n'y avait pas le jeu dedans. Donc du coup, on prend pour la collection. Pour la somme de 2 euros, je récupère un Harry Potter et c'est l'ordre du Phénix, pardon, que je ne possédais pas dans la collection des Blu-ray. Du coup, je récupère ça pour la somme de 2 euros. Ça reste encore raisonnable. Maintenant, il me reste plus que 3 titres à récupérer. Complet, bien sûr, complet. Il y a juste CD qui est intéressant. Pour ça, c'est de la pub. C'est pas un jeu PlayStation non plus. Bien sûr, c'est marqué en français. Il y en avait un gros coffret Harry Potter avec tous les Harry Potter, mais c'était en italien. Vous avez pu le voir. Bon, j'aurais pu le prendre parce qu'il y a plus français. Mais j'ai pas envie d'avoir un gros coffret. Je préfère avoir à l'unité comme ça, c'est bien sympa. Avec les tranches comme ça, Harry Potter. Parce que je collectionne là pour l'instant les Harry Potter de ces tranches là. Maintenant, il me semble qu'il y en a qui existent avec les numéros. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 Harry Potter. J'en ai que. Je pense que je dois avoir 5 Harry Potter maintenant. Donc je rentre celui-ci pour la somme de 2 euros. Je récupère aussi pour la somme de 3 euros. Vous avez pu le voir en short. Alors c'est la première fois. Je pense que là, c'est la première fois que j'ai un jeu PS5 sous blister à ce prix-là. Bon, après, le titre, c'est pas un titre de ouf. C'est le 3D Mini Golf. Donc ça, vous voyez, c'est sous blister. Bon, le blister, après, il est déchiré ici. Hein, on s'en fout. De toute façon, on va l'ouvrir, on va le déblister. Et on jouera avec ce 3D Mini Golf. Donc, c'est pas de la folie. Hein, ne tenez pas un truc de fou. C'est fait par qui? Ah, c'est fait par... Minscape, je crois que ça existait plus bien. Donc en plus avec, regardez-moi ça, avec du sparadrap, oh, c'est dégueulasse. Donc j'ai trouvé ça parmi les DVD. On va pas négocier, hein, 3 euros, c'est plus que cadeau, hein, à ce prix-là. Sur un autre stand, je récupère un autre Mortal Kombat, mais sur PS4. Voilà. Ouais, il paraît lourd. Il y a une notice ou quoi là-dedans? Ah oui, une notice, ouais. Donc j'ai même pas, d'ailleurs j'ai même pas regardé, putain je suis con. J'ai même pas regardé, quand j'achète les trucs, j'ai même pas regardé, ouais il y a une notice. Il y a une notice du jeu. Et il y a le jeu, alors c'est le Mortal Kombat XL, vous voyez, XL. Donc il y a quoi de plus? Bon, il est en français celui-là. L'expérience ultime. Ah, je crois qu'il y a les méchants de, regardez, vous voyez, il reconnaît les méchants. Alors. Il y a, ah je vois pas, je vois toutes les têtes, je reconnais pas tout. Ouais, il y a Massacre à la tronçonneuse. Il y a Jason. Je crois qu'il y a d'autres personnages, mais je les reconnais pas. J'arrive pas à voir qui c'est. Bon, enfin bref. Inclus Boraisho, Leatherface, Jason. Ouais, il y a Jason, ouais, c'est ça. Triborg, ça me dit rien. Ah, il y a le Predator. Alien, Tremor, Goro et Tanya. Intéressant. Donc c'est le numéro 3679 du CUSA. Il y a inclus 9 personnages additionnels, tout le pack. Alors, attendez, j'espère que c'est pas un truc avec un code. Non. Apparemment, il y a une notice, mais c'est pas un truc à code. C'est rare hein, sur PS4 d'avoir les notices. Hein. Regarde, voilà, c'est bon. C'est pas un code, donc il devrait être inclus directement sur le CD. Donc j'ai payé ça 3 euros au lieu de 5. Donc ça, c'est très bien. Je récupère aussi pour la somme de 2 euros le Daxter en version Platinum. Bon, celui-là, il est en mexicain, je crois. Il est marqué mexicain. Il est en mexicain, puis l'autre pays, je ne saurais reconnaître. Si vous reconnaissez ce pays-là, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas quel pays c'est. Celui-là, il ne possède pas la notice, mais au moins, il y a le jeu. Et je suppose que en 2000, c'était en combien? C'était en 2000. On était en 2006 quand est sorti le jeu. Je suppose qu'il doit peut-être y avoir inclus la version française pour la somme de 3 euros et 50 centimes. Je récupère un jeu Game Boy à 10 heures. À 10 heures, ça n'a pas été ratissé ça. C'est incroyable parce que c'est quand même un bon titre. Je récupère le jeu Game Boy Advance. C'est Final Fantasy 1 et 2, Dawn of Souls. Regardez-moi ça. À 10 heures. À 10 heures, ça n'a pas été encore récupéré, donc j'ai eu de la chance. Donc je vais récupérer ce petit jeu. J'ai essayé, il fonctionne. C'est pas une repro. Il y a bien le logo Nintendo sur la carte mère de cette petite cartouche. Donc du coup, je vais récupérer ce petit Final Fantasy 1 et 2 pour la somme de 3,50€. Là, c'est le record parce qu'il en voulait 5, hein, mais il me restait 3,50€. Donc j'ai dit, allez, s'il te plaît, fais-moi 3,50€. Il n'a pas résisté. Hein.
Donc voilà, très bien. Donc celui-là, si je peux le faire peut-être en let's play sur la GameCube, j'essaierai de le faire. Il faut juste que je retrouve le CD pour pouvoir lancer le jeu. Et sinon, je le ferai en let's play dès que possible. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et ce compte rendu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao !